Dans cette vidéo, j'ai organisé une chasse aux œufs sur Minecraft pour mes amis à l'occasion de la fête de Pâques. Le but du jeu est de récupérer autant d'œufs que possible sur la map. Ces œufs sont représentés par des têtes de moutons de différentes couleurs et parmi elles se cachent des têtes multicolores, les plus difficiles à obtenir et valent le triple d'un œuf normal. Dans quelques instants, nous accueillerons les participants pour commencer la chasse aux œufs, mais avant ça, allons cacher les œufs. C'est parti! Alors pour cette chasse aux œufs, j'ai décidé de prendre une map directement dans le marketplace de Minecraft. Donc elle est gratuite, si jamais vous la voulez, je vous la montre. Donc c'est une map qui comporte trois zones différentes, la prairie, la grotte et le village. Je pense que j'ai pas pu choisir mieux, la map est vraiment belle et elle correspond vraiment au thème du printemps et de Pâques. Bon, on va commencer à cacher les œufs du coup. Allez, c'est parti! Bon bah j'ai fini de tout placer, du coup on va directement passer aux œufs multicolores et je vais faire en sorte que les œufs multicolores soient plus difficiles à trouver que les autres et qu'ils demandent plus d'efforts aussi. Donc bah c'est parti, on va les poser ensemble, allez let's go! Et imaginez, j'ai posé tous les œufs multicolores et au final je me suis rendu compte qu'à la fin que j'avais oublié Drake, ça serait con hein, haha. Bon bah du coup j'ai le seum. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer où ils sont. Donc du coup j'en ai placé 13 en tout. Donc je vais vous les montrer un par un. Bon en fait c'est beaucoup trop long de vous les montrer un par un. Du coup je vais tous vous les montrer d'un coup. Mais de toute façon vous pourrez tous les voir pendant la vidéo. Donc maintenant que tout ça est fait, bah nous n'avons plus qu'à accueillir mes amis. Donc j'espère qu'ils vont s'amuser, c'est le but avant tout. La personne qui aura le plus d'œufs à la fin sera le gagnant de l'event. D'ailleurs je fais ma petite pub, si vous voulez participer à ce genre d'événement, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, il se trouve dans la bio de ma chaîne YouTube. Allez c'est parti pour les accueillir, à tout de suite. Bon et bah voilà, du coup il y a tous mes amis qui attendent pour la chasse aux œufs. On va leur ouvrir les portes dans 3, 2, 1... Go! Allez, c'est parti! C'est parti! Ouais, c'est parti! C'est parti les gars, je me suis mute et j'ai quand même un titre à remettre en jeu vu que c'est moi qui l'ai gagné l'année dernière. Oh bah tenez, hop! Déjà un. Donc ils sont déjà tous en train de chercher des petits œufs. Bah il y a déjà Frosty qui en a récupéré un. Ah, il y a San qui en a récupéré un derrière la bûche ici. Oh! Il a pas vu l'échelle. Oh là 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 là. Il aurait pu en avoir un juste ici. Alors les gars, le but c'est de pas aller là où il y a les gens. Bâtard, il y a des vitres invisibles. Il y a Frosty qui a essayé de récupérer l'œuf multicolore qui était dans le lac. Nova qui est en train de chercher un petit peu dans la forêt, là. En vrai, j'en ai mis pas mal dans la forêt, donc s'ils continuent à faire le tour comme ça, ils vont en trouver beaucoup. On va les regarder sur les bordures de map. Ça m'étonnerait pas qu'il en ait mis. Oh, là-bas, vous l'avez vu, le mouton rose. Let's go, encore un œuf. En vrai, je me dis, go aller sur la deuxième île. Et comme ça, on les laisse tous se battre sur le début. Ah, y a Frosty qui va aller dans la maison. Bah, il a trouvé le quiz. Ah bah, il est avec San. 1.15, c'était quoi déjà? Bah, 1.15. Okay, ah bah, merci. Ah, les nulos. Bon bah, San a réussi du coup. Quelle est la recette du gâteau sur Minecraft? Est-ce qu'ils vont réussir à trouver ou pas? Et San qui a encore trouvé. Et attention de la dernière question. Un avocateur ou une sorcière? Allez, tu peux le faire. Oh oui, il a réussi. Et il a la tête multicolore. Ouais, y'a un jump. Non, il veut qu'on fasse un jump. Oh non. Ah, ça sert un piège. Hein. Alors, il y a Rispy qui est en train de se balader un petit peu dans la prairie. On va voir s'il arrive à aller dans le puits. Oh, il y va. On va aller en mode spectateur pour mieux voir. La tête de mouton, elle est juste là. On va voir s'il y arrive. On espère qu'il va se faire avoir par la porte. Allez. Oh, 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 il s'est fait avoir. Ah, le nul. Ah, il s'est fait avoir. Il avait pas vu qu'il y avait eu la tête de mouton derrière la porte. Mon piège a fonctionné. Let's go! Bon, par contre, je vais refermer de la porte derrière lui. Comme ça, quelqu'un d'autre pourra se faire avoir à son tour. Hop là! Ni vu ni connu. En vrai, je sais pas s'il en a caché sous l'eau. Je pense pas. Ça serait compliqué. Oh bah oui, regardez. Eh hey, les gars, hey. Je veux pas vous mettre la pression, mais j'en ai déjà 7. Je veux pas en mettre en pression, mais j'en ai beaucoup plus que 7. J'en ai 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 là. Hop. De toute façon, les gars, j'ai un X-ray moi. Mais en fait, je vois où sont les têtes en avance. Il croit qu'il va me bait avec sa tête marron ici. Il a failli en vrai. Là, le champ, il y en a forcément dedans. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont sur cette île là ou pas? On va aller voir. Il y a Exe qui est là. Il va peut-être trouver des têtes. J'avais mis des têtes oranges dans les carottes. Ah! Et il y en aurait pas dans le champ? Ça me paraît bizarre. Ah bah voilà, si. Vas-y, on y va. Bon, tu m'emmènes, hein, Frosty. Toi, t'es là. Est-ce qu'il va penser à monter sur les silos ou pas? Est-ce que
on peut monter là-haut. Je ne pense pas. Ah si, là il y a une échelle, je l'avais pas vu. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Oh, let's go. On en voit un là sur le toit déjà. Je suis sûr dans l'arbre il y en a, je vais essayer de trouver un gem. Et est-ce qu'il va trouver la deuxième qui est dans le silo d'à côté ou pas? Voilà. Ah bah il a pensé à regarder dans l'autre silo. Ah bah il y a Romain qui est juste à côté. Là-bas il y a le jeu de l'intrus. Donc peut-être qu'ils vont réussir à le trouver. J'ai l'impression que Romain il a pas fait attention. Putain, pourtant l'échelle elle est visible hein. Ils sont vraiment aveugles. Ouah, le ladder parcours. Oh putain, juste pour un rose les gars, ça sert à rien. Surtout qu'il y en a juste un bleu à côté quoi. Mais les gars, vous êtes vraiment nuls à rater le truc. Ah chef, j'ai la flemme de le faire. J'ai trouvé un arc-en-ciel, mais inatteignable. En fait, faut aussi qu'on vient de niquer, c'était un arc-en-ciel hein. J'ai envie d'en avoir un. Ah bon, c'est l'arc-en-ciel? Mais oui, j'ai envie d'en avoir un. Il y a Romain qui a réussi à faire le jump du pilier. Bon bah du coup, il a une tête multicolore. Ça a pas été fait pour rien. Voilà. Let's go. En vrai, je pense que j'ai fait quand même un bon tour. On va aller refaire un tour sur l'île de base. Ah bah, il y a aussi Frosty qui est sur la deuxième île. Il y a quelqu'un, alors je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a réussi à trouver la tête qui était sur ce toit-là. Mais cette personne n'a pas fait attention. Elle a pas vu qu'en fait, fallait faire le tour de la maison. Là, il y avait une tête multicolore. Viens, c'est cool, c'est un piège 100%. Ah bah, ils sont pas. Et alors, il y en a un qui met pas de lumière, je crois que c'est le spawner. Je crois que c'est celui-là, alors. C'est celui-là. J'ai un arc-en-ciel. Let's go. Respawn, ouais, je respawn parce que je l'ai fait de relais. Est-ce que celui du puits a été trouvé ou pas? En vrai, je pense que oui. Hein. Oui, ok. Oh. Ok, bon, choisis bien. Allez. On m'a toujours dit d'aller à gauche et j'ai eu potentiellement raison. Ça se voit que la source, elle a été mise, regardez. À moins que c'est moi qui suis juste con, mais que là, il y a un bug. Ok, on va tester. Ce soir, je me fais baiser et qu'il y a un passage, mais que je le trouve pas. Hop. Ouais, je me fais baiser. Oh, non, mais ouais, je vous ai vu en bas. Non, mais j'en ai marre. Oh, faites cran. Non, attends, je crois qu'il y a un mouton, il est pas possible à prendre. Lui, ça sent tellement le bait comme l'année dernière. Alors, il y a Exe qui est intrigué par le lac de lave. Est-ce que il va voir le bloc de laine qui est tout au-dessus ou pas? 100%, il est ici. Ok, non. Et y a pas un monde où en fait faut juste monter sur un arbre. Ah, let's go. Il a réussi à aller sur le bloc invisible. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Attends, j'ai envie de faire quelque chose. Allez hop. Mais en fait, ça fait deux fois où je trouve des trucs qu'il a fait la dernière fois. Genre ça et le truc du choisis bien avec la lave. Si seulement il savait qu'il fallait juste lever la tête. Pour trouver. Là, ils sont en train de monter l'arbre du coup, mais tous les œufs ont déjà été pris. Là, il suffit juste de faire le jump. Mais est-ce qu'ils vont réussir à faire le jump? Ah bah, ils ont trouvé le jump. Allez, on va voir si Rispy le réussit. Allez, Rispy. Oh, je sens qu'il va tomber comme une merde. Allez, tu peux le faire. Oh non. Il est tombé en reculant. Oh non. Oh, il y a Nova et Rispy qui sont dans la grotte. Ils sont en train de monter sur le géant arbre. Normalement, là, ils vont trouver plein de têtes. De leur côté, je crois, il y en a deux. Mais est-ce qu'ils vont réussir à trouver le truc qui se trouve dans le tronc de l'arbre? Ça, je sais pas. Bah, il y a Rispy qui est tombé de la branche. Bah, tiens, allez dans la grotte, toi, du coup? Ouais, Ah, je veux bien aller le tester. Attends, j'arrive. Il y a trois personnes qui sont en train d'essayer de faire le jump. On va voir s'ils réussissent. En vrai, il est hard, mais en même temps, il est addictif. Genre là je sais qu'il faut que j'arrête de le faire, mais j'ai envie. Oh, il y a peut-être Frosty qui va réussir à trouver le passage secret ici, qui mène directement à un œuf multicolore. Oh, Frosty qui a trouvé le passage secret. Bon bah il va avoir un œuf multicolore. Hop là. L'œuf multicolore il est tombé. Ah bah il a ramassé, mais il est mort. Ils sont tous les deux en train d'investiguer là, Romain et Frosty. Il suffit qu'il y en a un qui lève la tête, et ils l'ont trouvé hein. Qu'est-ce qu'il y a Nova et Rispy? Viens voir, il y a jump en fait. Ok, il y a Frosty qui a réussi. Alors, lequel vas-tu choisir? Il est dans l'hésitation. Ah là là, nulos. Oh, c'est un fils de pute, j'ai juré. Ce mec c'est vraiment un bâtard. Est-ce qu'il va réussir à trouver le levier? En vrai il a juste à cliquer hein. Est-ce qu'il va réussir? Oh, il a réussi. J'ai entendu un piston s'actionner. Vous l'avez entendu, vous? Oh, j'ai un putain de multicolore. Oh, ok, j'ai compris. Attends, Exe, tu vois là où t'es mort dans la lave? En fait, les deux étaient mauvais, fallait trouver un levier caché dans la source de lave. Ah, putain, mais en plus, tu sais que vraiment, c'est ce que je me suis dit, il y a une plaque de pression ou un truc à trouver, mais j'ai rien trouvé. Ouais, t'as réussi à respirer le gem, du coup? Oui, j'y ai réussi. Ah, bah, Exe a rejoint San, Rispy et Nova dans l'arbre. Ah, mais la tête de moulton a été prise. Hein, donc ils ont réussi à faire le jump, du coup. Bon, bah, dommage que j'ai pas pu voir ça. Là, ils sont tous en train de s'y mettre, là, au jump. On va voir c'est qui va réussir, hein. En vrai, ça va, elle est facile. Il y a que le dernier saut qui est chiant, parce que vous voyez, ce bloc de miel, là, et bah, il nous fait glisser.
par le trou. Oh oui, non. je viens de voir en direct Exé tomber au dernier saut. La tête de ma mère, c'est au dernier jump de la grotte. Non, j'ai failli le dernier. J'ai trop le seum. Allez, Romain. Et Romain, je le sens bien là. Il va réussir le jump là. Je le sens bien. Là, fait l'épaule. Ah non. Oh, mais ils sont trop nuls. Y'a que Exé qui a un minimum fort en jump. Les autres, ils sont nuls. Ah bah j'ai rien dit. Oh non, en fait ils sont tous nuls. Oh Romain ! Oh non ! Romain il avait presque réussi. Il était au dernier saut. Oh non ! Il y a Rispy qui s'est fait avoir par l'étoile d'araignée. Si seulement il savait qu'il y avait rien au bout. Bon bah pendant que tout le reste du serveur est en train de faire le jump, et bah il y a Frotty qui a décidé de s'en aller. Il est plus intelligent que tout le monde. Et dans la deuxième île, on le rappelle, il y a encore deux œufs multicolores qui n'ont pas encore été trouvés. Et en vrai, bah, s'il les trouve, ça lui donne un sacré avantage. Hein. Exé et Romain, ils veulent pas lâcher l'affaire. Hein. Depuis tout à l'heure, ils essayent de faire le jump. Je pense qu'ils gagneraient plus à chercher ailleurs plutôt que rester sur ce jump. Hein. On rappelle que les œufs multicolores, ils valent le triple d'un œuf normal. Mais enfin, je pense que ça vaut pas le coup de gâcher 20 minutes juste pour 3 œufs. Hein. Oh putain, il y avait un arc-en-ciel dans l'île là-bas. Let's go. Bon bah, il y a Frosty qui décide de repartir de la deuxième île. Oh, il a trouvé l'œuf multicolore qui se trouvait sur le toit. Et donc du coup, il en reste plus que un sur cette île. Oh, et il y a Monsieur Frosty qui tente de faire ce fameux jump qui est impossible car il y a des blocs invisibles. Est-ce qu'il va comprendre qu'il va falloir aller au-dessus ou pas? Il est trouvé trop au-dessus, je savais qu'il était au-dessus, je l'avais pas trouvé. Putain de merde. Oh, Nova, il est si proche du but. Non, par contre, si c'est Nova qui réussit, c'est tellement drôle. Allez, Nova, tu peux le faire. Non. Ah, il est tombé comme une merde. Tout ça pour ça. Oh, les couillons. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Oh non. Oh, les gros golemons. Ah, par contre, ils ont réussi à trouver la tête multicolore ici. Ah, mais il y en a un là. Il y en a un qui est posé dans le club normal. Oh putain, ça. Ah, oh, j'avais pas vu l'échelle. Ah, oh, putain. Oh, mais je les avais pas vus. Mais ils sont en train de faire le jump de la cheminée. Ils vont avoir l'œuf multicolore juste ici. Non, j'y étais. J'étais sur l'échelle, je suis juste tombé. Let's go. Let's go, c'est un arc-en-ciel. Bon, bah, du coup, il reste plus aucun œuf multicolore sur cette île. Tout se passe là-bas maintenant. Oh, mais Romain, il est trop con. Il fait que se bloquer dans des endroits random. Oh putain, mais c'est quoi le nombre de poules qu'il y a? Ah, mais en fait. Ah, mais en fait, il y avait l'arche de Noé qui était bloqué avec lui. Alors, Frosty, toujours en train d'investiguer le lac de lave. Il a toujours pas compris qu'il fallait regarder au-dessus. Moi, je restais le lac de lave, on sait jamais. Oh, j'ai trouvé le trou. Ok. Ok, par contre, je sais pas où y aller. Allez, Frosty, réfléchis un peu. Tu vas finir par trouver. Je suis dans le trou. J'ai le truc. Ah bah, il était temps, hein. Let's go. Frosty. Ouais. Est-ce que tu l'as trouvé aléatoirement? Non, avec mon S5, on peut voir à travers la lave. Ok, mais tu sais que tu pouvais juste regarder au-dessus de toi. Oui, dans l'arbre, genre. Non, au-dessus de toi. Ah, connard, j'avais pas vu. Bah oui, t'es vraiment une merde. Le con, donne des indices, là, ça devient trop long. Du coup, il y en a plus que 3. Donc, il y a celui qui jump. Oui, il en reste 3. Donc, vous êtes en train de le faire, il en reste 2 autres. Et je pense qu'il y en a encore un sur l'île là-bas. Je vais vous donner une indication, c'est il y a plus aucun œuf à part le jump, il y a plus aucun œuf multicolore ni dans la grotte ni dans la deuxième île. Donc c'est uniquement dans l'île champignon là. Est-ce que vous voulez que je vous simplifie le jump là? J'ai enlevé le bloc de miel et j'ai agrandi. Donc là tu vas pouvoir faire le jump facilement. Bon bah depuis que j'ai rendu le jump plus facile, bah ils sont tous en train de le refaire. Le pauvre Exé, il va sûrement se le faire voler alors qu'il est là depuis 30 minutes. En vrai, j'espère que c'est lui qui l'a, parce qu'il le mérite, hein. Mais par contre, il fait pas d'effort, hein. Il pourrait faire comme Nova, prendre son temps. Mais non, lui, il préfère la rapidité, lui. Exé peut-être? Attention, Exé peut-être? Exé. Et bah non. Putain de merde! Putain, encore le dernier, mais il est pas plus facile! Il a laissé les blocs au-dessus! Qu'est-ce qu'il fout, Rispy? Mais... je crois qu'il a pas compris que la chasse aux œufs c'était uniquement par là-bas. Le mec il est parti en pleine mer là. Bon bah bon voyage hein. Le con. Oui. Est-ce que tu peux me rendre 2 services? Le premier déjà c'est Blacklist Nova du jump. Ta gueule. Et ensuite l'aide que t'as mis à la fin, en fait elle aide pas du tout vu qu'il y a quand même un bloc au-dessus. Bon vas-y, je casse le plafond, vas-y. Tape Nova que je t'ai mis la nuit. Non. Tape Nova, il reprend plus le début. Allez Nova, c'est ton moment. Quand t'as combien, je pousse Nova. Exé, quand t'as combien? Quota 3. 1, 2, 3. 2, 3, 2. 2. Allez, hop, tu pousses. Bah, trop tard, Nova. J'ai réussi, je l'avais fait. Non, tu remets, tu tapes. Mais oui, mais sauf qu'au moment au moment où on a dit 2, il est arrivé. Ça fait une heure, je suis sur le putain de jump et Nova, mais, juste parce que t'as un putain de En vrai, j'ai eu la meilleure strat. Non, je m'en bats les couilles. En fait, je m'en bats les couilles. Qu'il l'aurait eu, tu vois, avec sa technique comme ça, après que tu l'aies cassé. Ok. Mais le problème, c'est qu'il était déjà à 2 blocs de la fin quand t'as commencé à casser le sol. Ouais. Bon, bah, j'ai le seum, les gars.
Je me suis fait péter à mon œuf, que ça fait 20 ans que je suis en train de d'avoir. Vas-y, je vous donne l'indice, chef. Il en reste combien déjà? Il en reste que plus que deux. Vas-y, je vous donne les indices. Okay. Alors, les deux, ils ont un point commun. Ils ont un rapport okay. avec l'eau. Et, c'est, et je rappelle que c'est sur l'île de Champignons. Hein. On est d'accord quand tu dis l'île principale, les côtes, ça compte dedans? Non, pas les côtes. Oui. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher sur les côtes. Donc. Bon, du coup, je leur ai donné un petit indice parce qu'il reste plus que deux têtes multicolores. Donc l'indice, c'était qu'ils ont tous les deux un rapport avec l'eau. Parce que bah, la première se trouve dans le lac. Et la deuxième se trouve dans le puits, ici. Il y a Rispy qui est vraiment très proche de la tête de mouton, là. Hein. Mais attends, il y a un puits là. Oh, c'est le labyrinthe. Il y a quelqu'un qui est dans le puits. Ah, Frosty. Oh, Frosty, il est passé à côté. Frosty, il est trop nul. Il a fait la même erreur que Rispy. Il a ouvert la porte et il a pas pensé à la refermer. Oh putain, le puits. Exe, qui est aussi là? Là, c'est entre les deux. Allez, Exe, est-ce qu'il va la trouver? Let's go, je l'ai. Il a trouvé la tête. Oh là là. Et bah, enfin. Et bah, c'était pas trop tôt, hein. Il est en fait, tu vois la porte? Oh, fils de pute. En gros, tu sais que j'ai refermé la porte juste pour voir ce qu'il y avait et je l'ai trouvé. J'en ai trouvé un. Il était où? Bah, en gros, on était dans un lac avec Exe et sous un passage secret, il y en avait un. Putain. Ah, mais on voit, t'as trouvé le dernier. Vu que tous les ans ont été trouvés, du coup, bon, on va faire le compte. On va commencer par Rispy. Du coup, Rispy, tu vas poser tous tes œufs. À part les multicolores, tu vas poser tous tes œufs sur cette ligne blanche. Alors du coup, t'as que ça? Ouais. Nova, tu vas poser tous tes œufs sur cette ligne aussi. Regardez mon palmarès. Ok, du coup, t'as tout ça. On va passer à Romain. Vas-y, à ton tour. Ok, ouais. Donc Romain, t'as tout ça. Est-ce que t'en as encore ou pas? Parce que Il me reste juste le multicolore. Ah bah ok. San, à ton tour. Vas-y, tu peux poser tes œufs. Putain, attends. Comment ça se fait que San a plus d'œufs que Romain alors qu'il a pas été là pendant 30 minutes? Parce que Romain, c'est une merde. J'en sais rien. Alors. Exe. Comment on a pile le même nombre? 4. 12 seconds later. 24, 25, 26, 27. Il y a plus assez de place. 28. Ah merde. 29, 30, 31. Oh, 32 de merde, mais j'ai fini. Frosty, tu penses avoir gagné? Ouais, je pense que je vais gagner. 1, 2, 3, 4, 5. 12 seconds later. 25, 26, 27. 28. Attends, du coup, t'en as moins que Exe? Non, j'ai encore 5 LGBT. Rispy, alors, tu peux poser tes multicolores ici, du coup. Putain, t'en as beaucoup. Ok, 3. Nova, oui Nova, tu peux poser tes multicolores ici, du coup. Ok. Romain et San, vous pouvez poser vos multicolores. Vous en avez un chacun, du coup? Non, j'en ai deux. Exe, tu peux poser tes multicolores juste ici, du coup. J'en ai deux. T'en as deux. Ok. Ah, t'en as deux. Et Frosty, du coup, vas-y, pose tes multicolores. Ok. Bon, bah, du coup. Tic. Donc, du coup, Frosty est premier, Exe deuxième. Ouais. Ouais, San, ouais. Troisième, ouais. Romain, quatrième, plutôt que je te fasse voler les cinquième et Nova sixième. Mais ah non, attends, bloc. T'es cinquième et Rispy dernier. Voilà. Ouais. Ouh. Attends, venez, on fait un podium. Vous avez bien aimé sinon? Oui. Ouais, bah, vous êtes trop long, j'ai juré. J'avoue que c'était un peu long. Moi j'ai bien aimé, sauf quand ce fils de pute de Nova il a osé me voler mon truc. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tout sauf le moment où Nova il a eu le. Tue-moi, vas-y. Ouais. Les gars, vous avez pas la ref, mais la première vidéo ça s'est fini comme ça aussi. Ça s'est fini. Attends, je vais mettre un gros bloc de TNT. Un gros bloc de. Fuyez, fuyez. C'est parti. Let's go. Wesh, ça arrive vers moi.